Ah ouais, tu vas péter un câble quand tu vas arriver là-dessus. Tu vois, il y a des roues qui volent un peu partout. Je vois, il y a une roue qui... Ça doit être une roue de l'étron céleste, ça. On a foutu le bordel dans la map. Ah ouais, mais bon, en même temps, je veux dire, c'était un champ de bataille hein, la dernière fois. Hein. Ça, tu sais quoi? Regarde, t'aurais jamais dû me le montrer, ton piège. Je vais construire un véhicule qui se rabat très bas. Oh putain, le mur de la mort. Mais attends, mais le mur de la mort, il va exploser l'arène, mon vieux. Oh putain, ah. Oh putain. Putain, mon vieux! Non! Terrible, mon gars! Ça, c'est un lance Gatling. Oh la vache, voilà. Mon gars! Ah ouais! Oh là là! Tellement stylé, quoi! C'est pas mal, franchement, c'est propre, hein! Oh putain, c'est quoi ça, mon gars? Oh, il est énorme! Laisse tomber, mon gars! Celui qui va se le manger, celui-là, il est pas prêt! Il est impressionnant! Il en jette! Alors, je te montre, attention, c'est parti! Ah ouais! Et après, tu vois, regarde, oh la vache. Il se recharge à l'arrière. Hop, ah ouais, ça se recharge et tout. Bombes, non. Et ça tourne. Eh, il y a du génie, franchement. Ah ouais, ok, d'accord. Alors, ah ouais, je vois. Lance torpille. T'es prêt? Vas-y. Lance torpille. Mon gars, le lance torpille. Ah ouais. Oh, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette chétanerie, mon vieux? Putain, déjà, je lag, là. Tu l'as posé, mon vieux. Oh, putain, j'ai fait quoi? Ouais. Alors, du coup... Ça lag moins, là. Donc, lui, pareil, il se contrôle à deux. T'as le premier qui a le lance-grenade. Préparation. Ouais, ouais. Mise à l'échelle. Et après, tir. Oh, putain, mon gars. Ah ouais. Ah ouais. Mais non, voilà. Mais t'as fait un truc de ouf là pas. Et pendant que moi je conduis et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Tu conduis et moi je peux tirer en visant sur les côtés. Putain, c'est stylé quand même, mon gars. Alors attends, je teste un peu. Préparation. Tourelle en place. Feu. Putain, c'est pas mal, mon gars. Et là, mon gars, le prochain qui va rentrer dans l'arène avec ça, je crois, il est pas prêt hein. C'est pour aérer. C'est pas pour tricher, c'est pour aérer. Hein? L'aération, c'est important un peu. On va mettre un peu plus rapide. Hop là, un petit coup et on ferme. Non, 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 je vais enlever ça, Luffy, t'inquiète. Il y a quelqu'un qui veut venir goûter à notre torpilleur. Hein? Ça fait mal, regarde, hé, hey, on fait venir deux mecs. On dit, on a chacun 15 minutes pour construire un véhicule. 15 minutes. Nous, on fait apparaître le torpilleur, tu vois, on fait semblant de travailler pendant 15 minutes, oui, tu vois. Oui, voilà, voilà, on fait des bruits de blocs, tu vois, et on fait apparaître le torpilleur. On voit comment que ça se passe, tu vois. Voilà. Et surtout, on leur fait. On leur dit pas de triche, attention, hein. Ouais. Voilà. Bien sûr, on fera pas ça le jour où... Voilà, là, non, c'est une ébauche. C'est un test de map. Test de map, voilà. Ah, ça va. Il y a du monde, là, qui est dans le salon Scrap, quand même. Hein. Je vais écrire un petit message. Au chat. Et bah c'est impeccable. Du coup, bah ouais, il y a du monde qui ont répondu. Hein. Je suis désolé les mecs, mais du coup, bah voilà. Là, bah, moi j'ai pris les deux premiers qui étaient là. Hein. C'est Skillian et Adeyo. Ah, on peut prendre Axtazer peut-être. C'est vrai, Axtazer. Et... C'est vrai, c'était le troisième Axtazer. Hein. C'était le troisième. Hein. Bienvenue dans l'arène. Elle a pas encore été montrée cette arène, je crois. Hein. Vous voyez, regardez, on vous présente un peu. Hein. Vous avez des box là. On a une exclusivité. Ouais, c'est l'exclu. Hein. Chacun peut construire ses véhicules. Bien sûr, il y a des pièges. Attends, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on fait des groupes? On commence en équipe. Moi je me mets avec Luffy, les mecs. Ah oui, mais là. Ouais, non, mais Hélène, t'as beaucoup d'heures de jeu, tu veux venir? Non, c'est non, pour mais tester. On peut faire, au pire, on fait 2v3. Vous avez 15 minutes, alors... les mecs, pour construire le véhicule. 15 minutes à partir de maintenant. Bon, on récapitule les règles, les mecs. Alors, la base en bois, si vous voulez. Le véhicule en carton, parce qu'il faut qu'il soit détruisable, bien sûr. Il faut qu'il y ait 5 TNT sur le véhicule. Et vous pouvez les protéger, par exemple, avec de la vitre. Du carton, voilà, mais pas plus. Et bien sûr, Skillian, tu peux mettre une petite toilette en guise de siège conducteur, comme tu veux. On va construire notre petit véhicule avec Luffy. Chacun y va de son côté. Pas de triche. Allez, c'est parti, les mecs. On va commencer par un cric, je pense que ce sera déjà bien. C'est pas mal. Voilà. Bien évidemment, ça c'est un test. Hein. C'est un test. Ça se passera pas forcément tout le temps comme ça. Ça se passera pas du tout le temps comme ça. Moi je vous préviens, les mecs. Hein. Peu importe qui c'est qui rejoint celui qui triche, attention. Hein. Pas le droit d'avoir des véhicules déjà montés sur les lifts ou quoi. C'est interdit ça. Hein. Vas-y, Luffy, je te fais confiance, Luffy. Monte pas trop. Ouais, ouais. Alors, les mecs, bien sûr. Hein, on rappelle les règles. Hein. Donc, véhicule en carton. Eh, Skillian, recule de là, Skillian, ou tu vas goûter au torpilleur, hein. Hein. Attention, hein. Torpilleur en place.
Non, les mecs, vous inquiétez pas. C'est juste. On sait jamais. C'est une blague honnête, une petite blague, hein, c'est rien. C'est qu'elle touche la vie pour ranger le torpilleur, que je me trompe pas, c'est le 2, hein. 1, 2 et 3, c'est pour tirer. 1, c'est pour le ranger, t'es sûr? 1 et 2 pour. Torpilleur. On va se prendre un truc de mec. Non, vous inquiétez pas, les mecs. Je le range, voilà, tout va bien se passer. Tout se passe bien, ça va. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Torpilleur en place! Catapulte des enfers en place! Ça vient se passer, mec. Ouais, t'inquiète, la fille, moi j'ai des idées pour le véhicule. Ouais, c'est pas mal, ça, la fille, c'est pas mal. J'ai des petites idées, je les cherche. Bouge pas. Attention, hein, attention, les mecs, je sais pas trop ce que je fais, donc. Essaie de contrôler ce que tu fais alors. Ouais, je vais essayer de contrôler. C'est peut-être. Attends, j'essaye, les mecs. Vert ou c'est vite. Oh putain, et je savais pas que c'était aussi violent que ça, vraiment. Je n'avais aucune idée que c'était aussi violent que ça. J'arrête. C'est bon, j'arrête. Allez, j'arrête. Les mecs, ils restent pas longtemps, les mecs, hein. Ça donne quoi, Jonathan? En plus, j'ai fait une connerie. Oh putain. Il reste un peu de temps, c'est déjà fait pour. Comment ça marche? Ouais, pas mal, Luffy. Pas mal, Luffy. Mais non, ça va, je passais vous dire un petit coucou, c'est bon, je passais vous dire un petit coucou. Oh là là. Attention, Luffy, parce que de l'autre côté, il y a un ovni, hein. Eh, mec, 5 minutes, les mecs, hein. 5 minutes, les mecs, hein. Pourquoi ça lag encore? Eh, qu'est-ce que tu fais, là? Et toi, tu fais quoi, ici? Bah, et toi, j'allais te poser la même question. Y'a plus rien. Hein? Tu vois? Ouais, c'est bon, on a eu la même idée, c'est bon. Ça passe. On est peut-être mort, Luffy, je sais pas ce qu'il cache là-dedans, il y a peut-être des armes secrètes, on n'en sait rien. Chance. Ouais, bah attention, parce qu'ils sont en train de faire un truc là-bas, mon vieux. Croirait que ça sort de la zone 51, ce qu'ils font, là. Méga bombe, c'est quoi, ça? Méga bombe, bah, ça va tout faire exploser. Je l'enlève. Luffy, tu veux pas mettre une méga bombe sur notre toile? Alors, j'ai envie de te dire, évitons. Non, je l'enlève, je la supprime. Eh, qu'est-ce que vous faites? Oh, on a plus beaucoup de temps. On a plus beaucoup de temps, les mecs. Eh, il reste 2 minutes là. T'inquiète, Luffy, je rajoute ma sauce. Si j'avais tes griffes de l'enfer. Faut pas que ça gêne au niveau de. Enfin, on n'a pas juste eu le temps, c'est tout. Il manquait du temps. Voilà, ça c'est pas mal, Luffy, ça c'est pas mal. Le scarabée des... Non, j'en sais rien. Non, ça ressemble plus à une anguille. Ah, nous on va l'appeler horreur. C'est vrai, ça. L'horreur des enfers. L'anguille. On l'appelle le burrito. L'anguille des enfers. L'anguille du fleuve céleste. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, vous pouvez venir vous présenter. Vous pouvez venir vous présenter. Attends, cache-le, Luffy. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, aucune idée. Burrito des enfers. Et les mecs, vous avez un souci là. Ouais, attends, arrête de rouler, je vais rendre un peu le moteur. Ça. Oh la vache, c'est quoi ça? Vas-y, fais rentrer. Voilà. Il est énorme. Ouais. Ah ouais. Ah d'accord, ok, je vois. Je peux venir visiter l'intérieur un peu, comment vas-y, c'est? Vas-y. C'est l'horreur. Attends, je rentre. Ah c'est ouais, bon, l'a kidnappé. Au cours. Laisse-moi partir sur mon anguille des enfers là. Comme attendez ça, les mecs, hein, on attaque pas encore, hein. Allez, vas-y, Luffy, vas-y, t'inquiète, Luffy, vas-y. On est dans la merde. Nageoire de l'anguille, Luffy, vas-y, t'inquiète, on va y arriver. Attention, on a de la visite. Faites une sauvegarde de la ça V2. Ça va. Eh, hey, on va, a pris une balle. C'est quoi, c'est ouais, comme non, c'est la pas V2, moi. Ah, c'est Skillian. Si vous avez pris une balle, les mecs. Dis-moi, juste pour tes pinces, Jolat, tu peux pas juste les décaler un tout petit peu sur le côté? Mes pinces? Ouais, sinon tu vas pas pouvoir les relever. Des canards sur le côté. Mais c'est pas des pinces, regard hypnotique de l'anguille. Les yeux de l'anguille, la fille. Les yeux, pardon. Regard hypnotique. Non, c'est bon, tu y arrives. Faut que je les décale où? Vers l'arrière, ouais, tu penses? Il a mis non, bah c'est bon. Faites voir le burrito céleste, là, un peu. Oh, ah ouais, mais attention, je vois qu'il est armé, quand même. Vas-y, avance, Luffy, avance, Luffy.
Comment on passe là-dedans? Appuie, transfert. Oh là là. Voilà, on est passé. Ça passe. Attention, on rentre. Voilà. C'est présentation lente qui arrive en scène, mon gars. Okay. Attention. Oh, le bouchon. C'est bon. Attendez, les mecs. Attendez, faut qu'on se relève. 2 secondes, on n'est pas prêts. C'est trop tard. Ok, c'est trop tard. Vas-y, c'est la guerre. Vous êtes coincé. Vas-y, burrito céleste. On va l'avoir, le film. Ouais. Je charge. Oh putain, y'a rien qui touche. Je fracasse. Doux regard de l'anguille. Vas-y, je charge, le film. Je charge. Bon. Tourne. Ça va. Allez. Tourne, okay, ouais. Bah, à l'intérieur. Y'a le mur céleste. L'intérieur, les bombes, à l'intérieur. Ok, la fille, c'est la guerre. C'est la guerre. Vite. Putain, ils sont invincibles. Oui. C'est bon. Ils nous ont fait péter. Oh putain. Oh les bâtards. On s'est fait niquer par le burrito céleste, la fille. Vas-y, lance torpille. Torpilleur, la fille. Oh putain. C'est bon, ils ont perdu un pneu. Vas-y, coup de transfert. Ok, d'accord, les mecs. Vous voulez jouer à ça? Lance torpille de la mort, les mecs. Il roule encore, gros. Putain, il roule encore, quoi. Gros, le burrito, quoi. Le burrito. Non, mais la fille, on s'est fait allumer par le burrito céleste, quoi. C'est pas possible, mon gars. Vas-y, burrito céleste. On roule encore. Eh, franchement, il est costaud. Il est costaud, le burrito céleste. Lancement de la bombe de la mort. Putain. Vas-y, roule. L'anguille, avec quelques soucis, elle nagit pas bien droite, franchement.